Bon, on va faire un petit débrief avant de pénétrer dans la forêt de bambou. Nous avons été envoyés ici, sur ordre de la société Lovecraftienne. Les chercheurs et archivistes pensent qu'il y a un ancien qui traîne dans le coin. D'après eux, c'est lui qui créerait ce brouillard si épais que nombre d'équipes qui ont tenté de percer ses secrets y ont disparu. Ne nous laissons pas surprendre. Nous allons nous séparer en trois groupes de deux. Restez serrés le plus possible. Ne tirez que si vous avez de la visibilité. Fern, tu vas avec Mackenzie. Smith, avec Parker. Johnson, tu viens avec moi. Tu crois qu'on va trouver quoi? Il paraît que des traces humanoïdes ont été vues ici. Mais ce qui intéresse le plus les scientifiques, ce sont des squelettes d'oiseaux géants à deux têtes. Hein? Ouais, et il paraît qu'ils ont trouvé ça dans les années 80. Je trouve ça bizarre. Je sais bien que dans notre job, on voit des trucs étranges, mais là, franchement, je sais pas quoi en penser. Comment les oiseaux pourraient voler dans une purée de pois pareille? Je sais pas. C'est ce que je trouve bizarre. C'est quoi ce bruit? Merde, t'as entendu ça, Jones? Ouais, ça venait de là-bas. Non, non, je t'assure. Ça venait de l'autre côté. J'en suis certaine. T'es sûre? J'ai pas entendu la même chose alors. Bon, de toute façon, on doit pas se séparer. Sinon, ce sera dangereux. On ne sait pas ce qui se trouve dans le brouillard. On n'y va pas à 2 mètres. Et puis, il y a le risque d'une balle perdue si on se sépare. Ouais, prends-moi pour une bleue. Ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble, je te rappelle. T'inquiète. Comment veux-tu que je t'oublie? Tu m'es littéralement tombé dessus en courant dans les couloirs. Johnson! Johnson, t'es où, bordel? Je t'ai dit de pas t'éloigner! Fais pas l'abruti, c'est dangereux ici! J'étais près de toi, je comprends pas. T'es où? Je te vois plus là. Stop! Arrête de courir! Ne bouge plus! C'est moi qui vais te rejoindre! Crie, que je me dirige au son! Jones! Jones! Ici, Jones! Ici, viens! Mais qu'est-ce que tu fous? Jones! Jones! Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Je t'entends tout autour de moi! Mais qu'est-ce que tu fous, Johnson? Je t'ai dit de pas bouger! Mais je bouge pas, qu'est-ce qui te prend? J'arrête pas de m'égosiller. T'abuses, grouille-toi! J'ai l'impression qu'on n'est pas tout seul. C'est peut-être les autres. Fern, Mackenzie, Smith, Parker, répondez! Je suis encerclée, il y en a partout. Faut que je fasse du feu, Jones. Je vais pas rester là pour me laisser buter. Je te l'interdis, Johnson. C'est trop dangereux. Je vais te rejoindre. Putain, Johnson, je t'ai dit de pas tirer! C'est passé à côté de mon oreille! Johnson! Johnson, réponds, c'est un ordre! Johnson, t'es où? Réponds! C'est pas drôle! On ne fait pas de blagues comme ça pendant une mission! Johnson! Ah, t'es là! Viens, il faut qu'on se replie! Ah! Mais c'est quoi ce truc? C'est pas toi, Johnson! Mais c'est hideux, cette chose! On dirait un cadavre, mais... Mais non, merde, c'est pas possible! Comment ça peut bouger? Je vois les muscles et les ligaments. C'est en décomposition. Avance pas, quoi que tu sois. Je suis armé. Si vous m'entendez, échec de la mission. Repli, repli. Mais merde, c'est quoi ça? Il y a un truc géant qui vient de passer au-dessus de moi. Génial. Le brouillard se lève. C'est pas possible. J'ai déjà vu ce truc. Des Garuda. Le brouillard. Le brouillard vient de ses ailes. Du sang. Il a du sang plein les serres et les dents. Il en a même sur ses ailes. Il est tellement grand. Allez.
Ressaisis-toi, Tabitha. Tu as déjà vu pire. Tu es plus fragile que ton pote de Centralia. Plus impressionnant, ouais. Mais pas plus fort. Hein ? Sale bête ! Mais tu vas crever, oui ! Génial, le bruit a attiré les cadavres vivants. Heureusement, le brouillard se lève maintenant que le Garuda n'est plus. Nickel. J'ai assez de munitions. J'espère que les autres s'en sont sortis. Au final, c'est pas un fiasco. On aura pas mal de nouveaux échantillons.